À votre avis, c'est quoi une tanière? Une tanière? Tanière. La tanière. La tanière. Oui. Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Houlous 237. Donc voilà, avant de commencer, parce que les Houlous c'est une famille, on a un frère qui fait partie de l'équipe qui a perdu sa maman à cette période, l'année passée. Donc on va d'abord lui rendre hommage. Donc big up à toi frère, beaucoup de courage. Donc maintenant on va passer au thème principal. On va d'abord faire une petite dédicace aux deux en fait commentateurs de la vidéo précédente. Ensuite, on va passer au thème de la vidéo qui est de savoir. Donc, on va tester un peu l'intelligence des gars du quartier Ange-Raphaël, Cité Sig, pour leur demander par exemple qu'est-ce qu'une tanière. C'est très simple, vous vous abonnez à la chaîne comme d'habitude. C'est parti. Bonjour ma chérie. Bonjour. Moi c'est Josby, de Roulou 237 et toi? C'est Nikes. Okay. J'ai un petit quiz pour toi. À ton avis, c'est quoi une tanière? Une tanière, c'est où on trouve des lions. Les animaux. Alors, bien ou quoi? Bien, bien, non, très bien. Grâce à Nial. J'ai une petite question pour toi. Regarde. Alors, c'est quoi une tanière à ton avis? Une tanière. Moi, c'est un rassemblement, non? Une tanière, c'est un rassemblement, je sais pas. Un truc comme ça. Rassemblement. À ton avis, c'est quoi une tanière? Tanière. C'est une équipe. Ou pas? Comment tu vas? Très bien. Ouais, j'ai une petite question pour toi. Oui, alors à ton avis, c'est quoi une tanière? Aucune idée. Moi c'est Josby de Roulou 237 et toi? Lynn. Ah Lynn, enchanté. C'est à ton avis c'est quoi une tanière? La tanière. Oui. Je crois que c'est c'est un camp de réfugiés, je sais pas trop. Ok. Ah moi là bien ou pas? Bien. Ouais, moi c'est Josby de Roulou 237 et toi? Moi c'est Blue City, je vais pas le dire donc. Ah oh, ok gars, j'ai une petite question pour toi là, ok, vas-y. Tu es prêt hein? Vas-y. Ouais, à ton avis c'est quoi une tanière? Une tanière, quelque part où les ours, l'endroit où les ours dorment. Ah les ours c'est... Ouais, comment on dit, c'est la tanière de l'ours. Okay. C'est quoi une tanière? Une tanière? La tanière, bon... Aucune idée hein. Je vais te poser trois réponses, tu vas me choisir une, ok? Première réponse, c'est une cage à lion. Deuxième, c'est un refuge pour bêtes sauvages. Et troisième, c'est un jardin botanique. À ton avis, c'est laquelle? Une cage à lion, je crois. C'est une cage à lion, une retraite pour bêtes sauvages, un jardin botanique. Une cage à lion. Je pense. Une cage à lion. Deuxième, c'est une retraite pour bêtes sauvages. Troisième, c'est un jardin botanique. Dernière, une cage, la première. Cage à lion. À votre avis, quelle est la bonne? Je pense que c'est une cage pour le lion. C'est une cage à lion, une retraite pour bêtes sauvages ou un jardin botanique? Une cage à lion. Je vais prendre la deuxième réponse. Retraite pour animaux sauvages. Ouais, bonne réponse ma chérie. Ok, merci beaucoup. Je crois ça. Ah, la deuxième. Une retraite pour une bête sauvage, n'est-ce pas? Ok, très bonne réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok. La réponse est un refuge pour bêtes sauvages. Ok. Allez, merci beaucoup. D'accord. Une tanière, c'est un refuge pour bêtes sauvages. Ah ouais. Alors, merci beaucoup de t'être prêté à notre gégard. Ok. Merci beaucoup de t'être prêté à notre questionnaire. D'accord. Okay. Merci. En fait, c'est un refuge pour bêtes sauvages. Ah, d'accord, merci. Ok, merci de t'être prêté à notre jeu. D'accord, merci. Merci de m'avoir instruit. Une bonne soirée. D'accord, merci beaucoup. C'était tout pour cette vidéo, merci d'être resté là jusqu'à la fin. Je sais que vous êtes abonné et pour ceux qui ne le sont pas encore, vous savez ce qu'ils auraient à faire. Cliquez sur la cloche de notification bien sûr après vous être abonné et surtout laissez-nous vos avis en commentaire et bien sûr vos remarques et vos pertinents. C'était tout, merci.